Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Avant toute chose, je voulais saluer la rédaction de Battery Magazine et tous ses lecteurs fidèles qu'on espère retrouver le plus vite possible. Aujourd'hui, nous parlons improvisation et pour cela, je vous dévoile 5 éléments faciles à mettre en œuvre pour bien construire un solo. C'est parti! Thank you.
Ça veut dire quoi, faire un solo de batterie? En fait, c'est exprimer des émotions à un instant T dans un contexte musical donné. La priorité pour moi, c'est de raconter une histoire, car il ne faut pas oublier que vous faites un solo, d'abord pour votre public, et il va donc falloir l'emmener avec vous dans votre histoire. Pour cela, vous aurez besoin de puiser dans votre acquis technique, mais vous aurez surtout besoin de votre capacité à rendre cette technique musicale. C'est ce qui fera l'intérêt de votre solo. Avant de rentrer dans le détail, je considère qu'il y a trois formes de solo. La première est le solo libre, où il n'y a pas forcément de notion de tempo fixe ni de structure particulière, c'est la forme que nous verrons. L'idée étant de vous laisser porter par votre imagination, toujours en gardant en tête de raconter une histoire et de développer le plus possible vos idées, donc pas de limite de temps non plus. La deuxième forme est le solo mesuré, c'est-à-dire que là vous allez improviser en respectant la structure d'un morceau, ça peut être sur la durée d'un couplet-refrain d'un titre pop-rock par exemple, ou encore si vous jouez un standard de jazz, votre solo devra tenir compte de la structure du thème, 32 mesures, 16 mesures, 12 mesures pour les blues, etc., avec un certain nombre de répétitions de ces cycles. Et la troisième forme est basée sur le dialogue avec un autre musicien que l'on appelle couramment des 4-4, des 8-8 ou des 2-2, ça veut dire que vous aurez soit 2, 4 ou 8 mesures de solo, et que l'autre musicien vous répondra dans le même cycle, mais toujours en respectant la structure du morceau. Les éléments que je vais vous donner sont applicables dans les trois formes, bien sûr, sauf que entre un solo libre, un solo mesuré et des 4-4, vous n'aborderez pas l'improvisation de la même manière. Sur un solo libre ou mesuré, vous êtes seul à vous exprimer, et vous avez le temps de développer vos idées, alors que dans des 4-4, vous engagez un dialogue avec un autre musicien. Ce qui est intéressant dans cette forme, c'est que vous allez pouvoir vous laisser porter par les idées de l'autre improvisateur et répondre à ses propositions, mais dans un temps restreint. Un point très important, faire un solo, c'est possible pour tout le monde. Ce n'est pas une question de niveau technique, mais de la bonne utilisation de cette technique et de la qualité de votre son, donc de votre musicalité. Alors pas de complexe, vous pouvez faire des solos quel que soit votre niveau. Quels sont les 5 éléments à prendre en compte? Le son, la dynamique, les doigtés, la distribution sonore, et enfin les variations rythmiques. Commençons tout de suite avec le son. Chaque élément de la batterie possède une palette sonore très riche, et il est donc important de savoir l'exploiter au maximum. Pour illustrer mon propos, je vais juste commencer avec la caisse claire, et m'amuser à rechercher tous les sons disponibles sur cet élément, en utilisant le doigté de frisée tout simplement. Vous voyez déjà qu'on peut tout à fait improviser avec la caisse claire et un simple rudiment. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de démarrer par la caisse claire, c'est juste une idée. Vous pouvez appliquer ce principe sur n'importe quelle partie de la batterie. Tout dépend de ce que vous voulez raconter. On constate pour l'instant que ça sonne un peu plat, et c'est là qu'intervient le deuxième élément, la dynamique. Alors c'est quoi la dynamique? Eh bien c'est tout simplement l'intensité des coups que vous allez jouer, soit faible, soit fort, soit moyennement fort, ou encore faire des crescendo, vous augmentez l'intensité progressivement, ou des décrescendo, l'inverse. C'est ce que nous allons exploiter maintenant. Reprenons notre solo en appliquant l'élément 1, le son, et l'élément 2, la dynamique. On voit tout de suite la différence en termes de possibilités créatives. Et c'est là qu'intervient le troisième élément, les rudiments. Pour créer de nouvelles variations, nous allons utiliser tous les rudiments que nous avons à disposition, frisé, roulé, moulin, fla, ra, etc. Et c'est là que nous allons puiser dans notre bagage technique, qui s'enrichira au fur et à mesure de notre travail. On reprend notre solo, toujours sur la caisse claire, en utilisant ces trois éléments, le son, la dynamique
et les différents rudiments. Là, on commence sérieusement à raconter une histoire. Nous allons pimenter notre récit avec la notion de distribution. Et pour ça, nous allons utiliser l'ensemble de la batterie, toujours en appliquant les éléments précédents. On se tente ça tout de suite. À ce stade, nous avons déjà un solo digne de ce nom. L'étape suivante sera de travailler sur le langage rythmique, ce qui veut dire utiliser toutes les valeurs de notes que nous maîtrisons, noir, croche, double croche, triple croche, triolet de noir, triolet de croche, sextolet, etc. On reprend au début de notre solo et nous appliquons les 5 éléments. Les premières expériences de solo sont toujours délicates, c'est sûr. Mais plus vous pratiquerez, et plus vous serez créatif. N'ayez pas peur de vous jeter à l'eau. Dans mes séances de travail, je finis toujours par une partie improvisation afin de cultiver ce côté spontané du jeu. Et si vous le pouvez, faites des séances à deux batteurs et confrontez vos manières de faire. Vous verrez, c'est un super moyen de progresser. Et rappelez-vous que ce qui compte le plus en matière d'improvisation, c'est l'histoire que vous racontez, comment vous la racontez et comment vous donnez envie au public de connaître à la fin de l'histoire. C'est comme un bon film ou un bon livre. Et surtout, la technique est au service de la musique, et pas l'inverse. Ça paraît évident, mais on a souvent tendance à l'oublier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie de vous lancer dans l'improvisation. Je vous laisse quelques liens vers certains de mes solos dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est également dans la description, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode Ethnorhythm. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent fidèlement. Je vous rappelle que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Et surtout, la technique est au service de la musique, et pas l'inverse. Ça paraît évident, mais on a souvent tendance à l'oublier. Et ben voilà. Allez, roule ma poule, ça c'est vu.